cet hiver. Donc, la première génération de Falco qui, Falco qui prenait 4 ans cette année et qui a mis en valeur un certain nombre de très bons chevaux. Falco qui a la particularité d'avoir été un cheval de course d'obstacle par rapport à tous les chevaux qui ont été présentés ce matin. Un futur pistolet bleu et derrière les larmes normales, puis le Royal Charter et la main heureuse par Red Fragma, un pur papier français, des vieilles souches françaises, très importantes pour la production de chevaux d'obstacle. Ce cheval appartient toujours à son essor, M. Gilles Dasblin, qui doit être parmi nous aujourd'hui, et qui fait exploiter cet étalon par France Ara depuis 3 années. Donc Balco, qui a eu une carrière de comédie d'obstacle à 3 ans, où il a gagné le championnat de l'Ouest. Il y avait des 4e combats célestes, mais il y avait des 2 combats évidemment de 1 ou 2. À 4 ans, il redécute en reprenant en méthode de l'huile d'Anjou et en montant second du fleuret, dans des terrains lourds bien sûr. Malheureusement, il sera blessé à l'issue de cette course-là et il ne pourra pas recourir à 4 ans. Il recommencera à 5 ans, mais dans des courses plus modestes, il obtiendra des pouvoirs et sur des hippodromes de province. Il a donc eu une belle carrière d'obstacle. Il a commencé la montre en 2007. Il a fait 3 années de montre dans un lieu un peu inattendu à l'époque, puisque c'était une station de Haute-Vienne, Oirat d'Abbaye, qui débutait et qui a eu la main heureuse, si on peut dire, en récupérant cet étalon, puisqu'en 1600, une jumenterie qui était souvent pas la jumenterie.